J'ai découvert la ville d'Angers. J'avais beaucoup entendu parler de la douceur angevine. Je n'avais même pas traversé la ville. Et c'est Dominique Besnéard qui a suggéré à Claude-Éric Poirot, l'organisateur du festival d'Angers, de me solliciter pour être présidente du jury. Et là, j'ai tout découvert en même temps. J'ai découvert le charme de la ville, sa beauté, les musées, dont le musée David d'Angers dont vous parliez, le musée des Beaux-Arts, et puis surtout, j'ai découvert la tapisserie. Et ça a été le choc de ma vie, vraiment. Et j'ai dit, ça m'a réconcilié avec la vie, avec la mort. Ensuite, j'ai découvert la ville elle-même, la vieille ville, les commerçants, la nourriture qui est délicieuse, et puis cet accueil qui est tout à fait particulier et qui doit être dû à ce fleuve dont le cours est si capricieux avec ses crues. J'ai découvert la Doutre. Je trouve que il y a une vie démocratique. Ce festival, par exemple, on découvre des jeunes gens de tous les âges. Moi, j'ai la chance à chaque fois d'avoir un étudiant qui me conduit à mes différents rendez-vous. Et ces étudiants, quand ils ont terminé les études, j'ai des nouvelles de Suède, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Amérique, et qui travaillent et qui ont trouvé des postes importants selon leurs désirs partout. Il y a quelque chose de magique. Pour moi, c'est une des plus belles villes de France. Donc, je vous souhaite bonne chance, good luck.